Ce dimanche d'octobre à Paris, Mgr Denis Jachier est venu bénir la crypte de l'église Saint-François d'Assise. Des locaux entièrement rénovés, la scène de théâtre a été conservée et deux salles de réunion ont été aménagées. Elles accueillent désormais les enfants du catéchisme. Voilà, c'était un des aspects qu'on voulait pour le caté, c'est de rassembler tous les enfants, de ne pas avoir des groupes à des moments différents dans la semaine. Mais d'arriver à les regrouper, déjà parce qu'on a des petits groupes, nous sommes dans le 19e, puis il y a une zone où il n'y a pas d'école, donc ce qui fait qu'on n'a pas des gros groupes. Le caté à Saint-François, c'est tous les mardis après-midi avec un goûter et quelques parties de ping-pong et de baby-foot. Ensuite, c'est l'heure de la répétition des chants. Le conseil pastoral nous a demandé d'animer avec les enfants la messe une fois par mois. Et c'est très, très enrichissant parce que je leur apprends également à servir avec ce qu'ils ont, avec leurs talents, le Seigneur. Désormais, chaque catéchiste dispose d'une salle pour travailler avec son groupe d'enfants, mais d'autres activités pastorales se déroulent dans la crypte, en particulier le groupe de théâtre. Il y a un projet aussi éventuellement d'un ciné-club, mais ça, bon, à mon avis, c'est plus ou moins long terme. Bon, et le but, c'est quand même l'évangélisation, hein. C'est de faire venir des gens dans la paroisse pour les évangéliser quand même. Le 16 novembre 2019, c'est dans cette belle église Saint-François d'Assise que se tiendra l'Assemblée annuelle des délégués des chantiers du cardinal.